souvenez-vous surtout que lutte qui structure les destins peuvent être longs. C'est un vieux militant qui vous le dit. Le combat pacifique ne vise pas à contraindre, mais à convaincre. Oui, l'intelligence met plus de temps que la colère pour être entendue, mais elle marque durablement l'histoire quand elle a gagné les cœurs et conquis les esprits. L'avenir n'est pas dans la violence ou le repli sur soi, il est dans la réalisation de l'Afrique du Nord des régions. Nous avons tracé un chemin dans les brumes et les ravins. Vous avez le droit de l'emprunter et le devoir de l'élargir pour en faire la route de l'espérance démocratique. Sortez de la vocation de martyr dans laquelle veulent vous enfermer les idolâtres du malheur. Dénoncez les appels aux sacrifices éternels. Vous avez le droit de vivre digne, libre et heureux. Reniez la nation des animosités et des rancœurs. Construisez la patrie de la fraternité et du bonheur. Je vous remercie. Merci. Merci. Merci.